Vous le voyez et vous l'entendez peut-être, il y a déjà une grosse ambiance alors que l'échauffement se termine avant cette demi-finale aller. Ne bougez pas, on revient tout de suite en direct sur EA Sports. De la Carabao Cup au programme aujourd'hui, on va vous faire vivre ça ensemble avec Pierre. Salut Pierre. Salut Hervé. Alors on va s'intéresser à deux équipes qui sont dans le dernier carré de cette épreuve qui a été créée, on le rappelle, il y a plus d'un demi-siècle maintenant. Ouais, ce qui est plutôt jeune pour une compétition anglaise, d'habitude elles sont plutôt centenaires. C'est Aston Villa qui avait remporté la première édition contre Rotherham United. Et dans le match d'aujourd'hui, nous allons retrouver West Brom face à Chelsea. Alors on va bien sûr suivre de très près aujourd'hui le petit belge Eden Hazard. Ouais, c'est un mec génial, c'est la grande classe, un talent pur, et puis c'est un mec qui aime bien vivre, pas se prendre la tête. La composition de l'équipe locale qui s'affiche, et l'entraîneur a demandé à ses joueurs de se passer en 5-3-2. Ah, ça va bétonner sec, hein. On voit souvent cette philosophie appliquée, c'est pour ça qu'on voit souvent aussi de si mauvais matchs. Vous découvrez les joueurs qui vont démarrer dans cette équipe de Chelsea. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Eden Hazard, Thiago Bakayoko. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Le dégagement pour éloigner le danger. Il résiste bien, hein. Bien campé pour protéger son ballon. Gonzalez. Ah, il perd ce ballon. Eden Hazard. Fosu Mensah. Eden Hazard. Alexandro, Thiago Bakayoko, Thiago Bakayoko, Karim Bauel, José Mauri, les Blues de Chelsea qui ont bien défendu sur ce coup et qui ont récupéré la balle. La passe est mal assurée, c'est une interception. Karim Bauel. Ah, c'est bien joué, hein. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Ce ballon qui est intercepté. Ah, beaucoup d'espace pour Chelsea sur l'aile. C'est pour le gardien, ce ballon. Allez sortir, bien joué. Alexandro, Eden Hazard. C'est quand même étonnant ce qu'on voit, une équipe qui ne se livre pas du tout. Le ballon change de camp. Karim Bauel, José Mauri. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire, hein, qui récupère. Ah ouais, bien défendu. Andreas Christensen, Moussanda, Thiago Bakayoko, Charlie Moussanda. Il va s'appliquer sur ce centre. Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé finalement. Oh, l'action qui a vraiment donné quelques sueurs froides aux supporters, mais c'est bon, le gardien a pu rassurer les siens, a pu écarter le danger. Oui, ça se joue à pas grand chose là-dessus, mais c'est bien la défense qui a eu le dernier mot. La passe d'Eden Hazard interceptée. José Mauri et Gazzi. Il a débordé la défense. Ah, la faute commise au mauvais endroit.
Et on voit qu'il commet bien une faute, hein, sur ce tacle. On revoit ce tacle glissé, la faute est nette. Hein. Ah, c'est bien frappé, mais c'est juste à côté. Alors, on l'a vu accompagner le ballon du regard jusqu'à sa cible, mais finalement, ça sort de quelques centimètres. Ouais, ça part très loin avec ce dégagement. Eden Hazard. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Gonzalez. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ah oui, c'est le jeu. La frappe. Oh, l'arrêt du gardien magnifique. C'est incroyable, Hervé. C'est un arrêt de handballeur qui vient de nous faire. Super. Les supporters qui verraient bien leur joueur prendre l'avantage avec ce corner. Le corner qui va tenter de prendre l'avantage. C'est encore un corner. Ah, ça pousse. Hein. Ah, bien frappé ce corner. Et Gazzi. Oh, que c'est mal joué, mais que c'est mal joué. Ah, il a cherché la complication et ça passe vraiment loin en plus. Hein. Les 45 premières minutes de cette demi-finale à l'Est. Et cette demi-finale de Carabao Cup qui vient de reprendre. Et dans quel état d'esprit sont les deux équipes? On va bien voir. Osanda. Il avait bien senti le coup. Pas beaucoup d'espace. Hein. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Gonzalez, Karen Dowell. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Pierre convaincu ou pas par la première période d'Eden Hazard? Ben c'est simple, on l'a presque pas vu, il n'a pas marqué, il n'a pas tellement pesé dans le jeu non plus. Il va falloir qu'il fasse mieux. Hein. Alexandro. N'Golo Kanté. Oh, ils ont vraiment la main mise sur le ballon et ils le montrent. Le championnat d'Angleterre sera à l'honneur avec cette rencontre. West Bromwich Albion, Everton à domicile. Une rencontre qui devrait nous réserver de belles choses. Généralement, on n'est pas déçu avec la Première Ligue à ce niveau. Ouais, la touche est pour Chelsea, l'arbitre. Un changement décidé par l'entraîneur de West Brom. Un changement qui va peut-être obliger l'autre équipe à s'adapter aussi, on va voir. Ah, la bonne qualité de ses passes. L'arbitre qui s'est retrouvé malencontreusement sur la trajectoire de ce ballon. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Qu'est-ce qu'on peut dire du prochain match de Chelsea, Pierre? Le club va retrouver Tottenham pour sa prochaine rencontre. Ce sera l'occasion d'un match du championnat anglais. Une rencontre équilibrée sur le papier, ça va être difficile de dégager un favori. On a pu lire dans la presse récemment que le FC Valence aurait fait une offre pour un transfert. Il est encore trop tôt pour se prononcer, mais c'est vrai que la rumeur existe et enfle. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. On voit que l'équipe a décidé de faire bloc devant son but. Ouais, ce ballon qui ne donne rien. Gonzalez. José Maury. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Bien vu, N'Golo Kanté qui récupère le ballon. Eden Hazard. Le bon centre d'Eden Hazard. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Ce ballon qui est dégagé. Thiago Bakayoko. Torres. Et on a dégagé pour écarter le danger. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Il cherche un coéquipier dans la surface. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée. Un grand soulagement du gardien. Alexandro. Fossou Mensa. Kanté. Encore un bon ballon.
Clément Bakayoko. Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. Ah, il y avait du chaos dans l'air là, c'était important. Elle vaut très cher Hervé cette interception parce que. Un ballon piqué, parfaitement dosé. Eh ben si l'entraîneur avait pu courir vers ses joueurs pour les féliciter, je crois qu'il l'aurait fait. Une belle scène de joie collective en tout cas. Ouvert 1-0. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain. Devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ce panneau. Torres. Ah, il a pris sa chance. Et le but ! Incroyable but ! Une frappe d'une puissance absolument exceptionnelle. Le gardien est obligé de s'incliner. Une frappe puissante avec en plus la précision qui vient battre le gardien. Je vous laisse admirer la qualité, la puissance de cette frappe. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Gonzalez et Gazzi. Karen Dowell. Et on va jouer 2 minutes de plus. Ah, c'est un moment décisif, hein. Il ne reste plus beaucoup de temps. Schelotto. Ah non, finalement. On n'ira pas plus loin. Coup de sifflet final à l'instant même de l'arbitre. Un partout. I'll never decide.